merci beaucoup. Je voudrais remercier l'IHES et particulièrement Franck pour cette invitation à donner 4 cours ici. Donc, je vais vous parler de mesures de Gibbs non linéaires et de la manière dont on peut les obtenir à partir d'un modèle microscopique, c'est-à-dire de la mécanique quantique, dans un régime spécial qui s'appelle le régime de champ moyen. Donc, avant que je commence, je voudrais vous dire qu'il faut m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Hein. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, je vous mets mon mail, même si c'est toujours facile à trouver sur Internet, bien sûr. Voilà. Donc, je vais commencer ce cours par discuter du régime de champ moyen. Et comme tout le monde n'est peut-être pas vraiment familier avec la mécanique quantique, je vais en fait commencer par vous parler de mécanique classique, mais très rapidement, juste quelques minutes. Donc, quelle est la question qu'on veut se poser? On regarde un système qui comprend un grand nombre de particules n. Donc, n, c'est le nombre de particules dans RD. Alors, on est intéressé à D égale 1, 2 ou 3, mais on peut garder D général dans la plupart des résultats. Voilà. Et donc, ces particules vont être d'abord toutes identiques, c'est toutes les mêmes, c'est assez important, et elles vont être soumises à un potentiel extérieur V. Donc V, c'est une fonction qui va de RD dans R. Donc le potentiel extérieur, c'est ce que l'expérimentateur peut... c'est de la manière dont il peut agir sur les particules. Donc le V, on peut le choisir un petit peu comme nous on veut. Après, évidemment, il y a des V qui sont réalisables dans l'expérience, d'autres pas, mais le V, c'est nous qui l'imposons. Et par ailleurs, ces particules vont interagir avec un potentiel W, qui est aussi une fonction de RD dans R et qu'on va toujours supposer pair. Voilà. Donc à la différence de V, le W, lui, est plutôt une caractéristique du système qu'on regarde. On peut essayer de le mesurer, mais parfois on n'a pas beaucoup d'informations sur le W. Et donc ce sera important que les résultats mathématiques soient assez génériques vis-à-vis de W. Donc pour certains systèmes, on connaît W, pour d'autres, on ne connaît pas, on ne connaît que la forme. Donc une forme typique, c'est un potentiel qui va être très répulsif à faible distance et puis éventuellement attractif à grande distance. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la fonction W, on doit penser que ça dépend vraiment de la distance entre deux particules. Donc on considère les particules par paires. Et si vous avez une particule située en X, une autre située en Y, qui sont deux vecteurs de RD, alors la force du potentiel d'interaction va dépendre de la distance entre les deux. C'est pour ça qu'on suppose que c'est pair, juste parce qu'il faut que les particules soient interchangeables. Alors, décrire ce système de n particules, c'est décrit par un système hamiltonien classique, donc on est en mécanique classique, et qui est donné par le hamiltonien suivant. Donc c'est une fonction de... 2 nd variables, x1, p1, x2, p2, etc., xn, pn, où chaque xi, c'est la position de la particule i, et pi, c'est sa quantité de mouvement. C'est-à-dire essentiellement m fois la vitesse. Et donc c'est quoi le hamiltonien de ce système? La fonction hamiltonienne, c'est la somme j égale 1 à n des énergies cinétiques de toutes ces particules, c'est-à-dire pj carré sur 2m. C'est le 1/2 de mv2, si p c'est m fois v, ça fait p carré sur 2m. M c'est la masse de chacune de ces particules, elles sont toutes identiques, elles ont toutes la même masse. Ensuite vous avez chaque particule qui... ressent le potentiel extérieur V, donc ça fait la somme des V de xj, et puis finalement, la somme sur toutes les paires Donc vous sommez sur les paires, je mets la somme j strictement plus petit que k, des W de xj moins xk. Et comme j'ai des couleurs, je vais en profiter. Donc ce qu'on va faire ici, pour se placer dans le régime de champ moyen, c'est qu'on va ajouter ce que les physiciens appellent une constante de couplage, c'est-à-dire au lieu d'avoir un potentiel W, on va avoir un potentiel lambda fois W, où lambda est un réel, et on va agir sur lambda. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce système? C'est un système hamiltonien, donc la dynamique du système, c'est les équations hamiltoniennes habituelles, c'est-à-dire xj point qui est des ronds h sur des ronds pj, c'est-à-dire juste pj sur m, et pj point qui est moins des ronds h sur des ronds xj, qui est juste la somme des forces. Je n'écris pas ce que ça vaut. Donc bien sûr, le long des orbites, l'énergie est conservée. Enfin bon, c'est un système hamiltonien, quoi. Bien, et tout ça, c'est pour j égale 1 à n. Donc vous avez aussi des états stationnaires. Les états stationnaires, c'est ceux qui ne bougent pas. Vous voyez que les états stationnaires, c'est les points critiques de H. Donc ces points critiques de H ont tous vitesse nulle, enfin quantité de mouvement nulle. Donc vous avez Pj qui doit être 0 pour tout J. Et par ailleurs, le gradient par rapport aux xj qui doit aussi être nul. Et un point stationnaire privilégié, c'est celui d'énergie minimale. D'accord ? Et bon, ce sera celui qui sera le plus stable. Donc ça, bien sûr, c'est juste les équations de Newton. Et ce qu'on désire faire maintenant, c'est étudier le même problème, mais pour des particules quantiques. Oui? Dans ce cas, les potentiels sont définis sur tout FAD ou... Oui, les potentiels. Bon, en fait... Bon, souvent, on considère que W est radial, et dans ce cas-là, c'est vraiment de R plus temps R. D'accord ? Et par ailleurs, on peut aussi prendre un V qui soit formellement infini en dehors d'un domaine oméga, et dans ce cas-là, le système va être confiné à oméga, et on n'a plus besoin que les potentiels soient tous les deux vraiment définis sur tout RD. D'accord ? Donc, parfois, j'autoriserais le fait d'avoir un V infini en dehors de, je sais pas, d'une boule ou quelque chose comme ça, et dans ce cas-là, le système sera confiné à la boule. D'accord ? Mais sinon, dans le cas le plus simple, on peut supposer que c'est vraiment dans tout RD. Donc, comment on décrit maintenant le cas quantique? Donc, la mécanique quantique, c'est une théorie probabiliste. Hein, donc, ça veut dire qu'au lieu que les particules aient une position et une quantité de mouvement bien définie, on aura des probabilités pour les positions et des probabilités pour les quantités de mouvement. Donc on aura deux probabilités, une pour les positions et une pour les quantités de mouvement. Et par ailleurs, on a un lien entre ces deux probabilités qui est la fonction d'onde, qui est vraiment le principe d'Eisenberg. Donc, le système quantique est décrit par ce qu'on appelle une fonction d'onde, qui est une fonction psi dans L2 de RD à la puissance n. Je vais vous expliquer après qu'il faut rajouter une petite contrainte, mais... Pour l'instant, restons avec ça, qui est normalisé . D'accord. Bon, elle est normalisée parce que le psi fournit deux probabilités. Donc la première probabilité, c'est la probabilité pour les positions. Donc le psi de x1 jusqu'à xn au carré, c'est la probabilité que la particule numéro 1 soit en x1, que la particule numéro 2 soit en x2, etc. D'accord? Et ensuite, la fonction d'onde sert de lien entre position et vitesse, simplement par le fait que si on prend la transformée de Fourier de psi, et on regarde son carré, dans ce cas-là, c'est la probabilité que la particule numéro 1 est une quantité de mouvement P1, que la particule numéro 2 est une quantité de mouvement P2, etc. D'accord? Donc le lien entre position et vitesse est assuré par la transformée de Fourier. Donc pour que ce soit des probabilités, il faut choisir une définition de la transformée de Fourier qui soit une isométrie. Donc partout, mon F chapeau de K dans RL, je ne sais pas, sera défini par 1 sur 2π à la puissance L sur 2, l'intégrale de f de x exponentielle moins i x calaire k dx sur RL, d'accord, pour les fonctions L1 et puis ensuite étendues comme d'habitude. D'accord, donc c'est la convention que je prendrai tout le temps pour les transformées de Fourier, et c'est celle qui est, enfin c'est une de celles pour lesquelles c'est une isométrie. Bien. Donc voilà, donc vous voyez que ce que j'ai écrit est un petit peu bizarre puisque je suis en train de mettre des étiquettes à mes particules, puisque je suppose que je peux savoir qui est la numéro 1 et la suivre, qui est la numéro 2 et la suivre, ce qui n'est pas très raisonnable, puisque si on les observe à deux moments différents, on ne saura pas si c'était vraiment la 1 ou la 2 ou la 3, puisqu'elles sont indiscernables. D'accord ? Donc ce caractère indiscernable, c'est-à-dire le fait que ce soit toutes les mêmes, doit se traduire dans le fait que tout doit être invariant si on change l'ordre, si on change la numérotation. Et donc il faut que ces deux probabilités soient invariantes quand on change les numéros des variables. Donc il faut que psi carré et psi chapeau carré soient symétriques par rapport aux échanges des variables, enfin, aux échanges des indices. D'accord ? Alors ça, ce n'est pas une contrainte très sympathique, parce qu'en mécanique quantique, on doit travailler dans un espace de Hilbert, donc il faut que ce soit une contrainte linéaire, et donc il faut la traduire en une contrainte sur psi, et pas sur psi carré et psi chapeau carré. Et donc vous voyez qu'il y a essentiellement deux choix. Soit on suppose que psi est lui-même symétrique, en quel cas le carré et la transformée de Fourier, seront tous les deux symétriques, et dans ce cas-là, ça décrit des particules qui s'appellent des bosons. Soit on suppose que psi est antisymétrique, c'est-à-dire que si vous échangez l'ordre des variables, vous avez le signe de la permutation qui sort, ce qui du coup ne se voit pas dans le carré, bien sûr. Et dans ce cas-là, ça décrit des particules qui sont des fermions. Donc dans le monde, vous avez vraiment les deux sortes de particules. Des exemples de fermions, c'est par exemple des électrons, des protons, des quarks, je ne sais pas. Et des exemples de bosons, par exemple des photons. Ça, voilà. Ensuite, quand vous avez des particules composites qui sont composées de plusieurs particules à l'intérieur et que vous dézoomez et vous les décrire comme une seule particule, par exemple un atome, ce que vous devez faire, c'est compter le nombre de particules élémentaires à l'intérieur. Et si vous avez un nombre pair de fermions, et puis quelques bosons, ça vous fera un boson. Et si c'est un nombre impair, ça vous fera un fermion. D'accord ? Donc quand vous avez un atome, je ne sais pas moi, d'hélium ou quelque chose comme ça, vous devez compter combien vous avez de particules élémentaires à l'intérieur et vous saurez si c'est un boson ou un fermion. Dans ce cours, on va considérer uniquement les bosons. Si vous avez des questions, je pourrais faire des commentaires sur les fermions. Et vous allez voir aujourd'hui très rapidement pourquoi on fait cette restriction. Bien. Donc ça, c'est la manière de modéliser l'état de nos n particules. Maintenant, il faut parler du système hamiltonien associé. Donc il y aura le hamiltonien et puis l'équation. Je vais écrire ici. Donc on commence par l'énergie. Donc l'état maintenant, c'est plus les 2n variables xi et pi, l'état c'est psi, et c'est vraiment évident quelle est la formule de psi, puisque vous devez prendre la formule classique et intégrer contre les probabilités. Vous intégrez contre la probabilité que les différentes particules soient en x1, x2 jusqu'à xn, et avec les moments en question, et donc vous trouvez la formule suivante, la somme j égale 1 à n, donc vous aurez pj carré sur 2m, le psi chapeau au carré de toutes ces variables que je n'écris pas. Vous aurez aussi le v de xj fois le psi carré avec toutes les variables que j'écris pas non plus, et puis lambda fois la somme j strictement plus petit que k inférieur ou égal à n de w de xj moins xk fois le psi carré aussi de x1 jusqu'à xn intégré dx1 dxn. Et bien sûr, la remarque élémentaire, c'est que quand vous regardez pj carré avec le psi chapeau carré, vous pouvez l'écrire dans l'espace direct au lieu de l'écrire en Fourier. Et vous voyez que ça fait, c'est que des intégrales sur RdN. C'est la même chose que le gradient dans la direction xj de psi au carré. Donc vous avez un terme avec un gradient carré, ensuite un terme avec les v de xj, et puis le terme avec les w. Donc là, je n'ai pas vraiment expliqué quelle hypothèse on pourrait faire sur psi, mais on va supposer essentiellement que psi est dans l'espace de ce volet fh1, et mettre les bonnes hypothèses sur v et w pour que les deux autres termes soient bien définis dans h1. Si psi est dans h2, ou alors simplement au sens des formes, vous pouvez calculer l'énergie de manière différente en faisant une intégration par partie. Et vous voyez que c'est une forme quadratique avec un certain hamiltonien Hn. Peut-être je l'appelle Hn lambda. Ou Hn lambda, c'est la somme j égale 1n du Laplacien dans la direction xj sur 2m plus v de xj plus lambda, la somme des w de xj. D'accord? Ou à chaque fois, quand j'écris une fonction de x, je veux dire l'opérateur de multiplication par cette fonction dans F2. Voilà. Donc ça, c'est pour la fonction hamiltonienne, l'énergie. Maintenant, eh bien, vous avez un système hamiltonien associé, hein, comme dans le cas classique. Sauf que si vous n'avez pas l'habitude, vous allez me dire il y a un problème, c'est qu'on a une seule variable. Pour avoir un système hamiltonien, il faut avoir une forme symplectique avec deux variables. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il y en a deux, c'est qu'il faut supposer que psi est complexe pour avoir deux variables, et les deux variables, c'est la partie réelle et la partie imaginaire de psi. Et donc, si vous dites que vous avez deux variables psi1 et psi2 qui sont la partie réelle et la partie imaginaire, et que vous écrivez le système hamiltonien exactement comme là-haut, vous allez trouver l'équation de Schrödinger, I psi point égale Hn lambda psi. OK? Bien. Et donc maintenant un état stationnaire. Donc ici les états stationnaires, on va identifier des fonctions qui sont égales à phase près. Et donc du coup on autorise le fait d'avoir une phase qui peut dépendre du temps, et donc un psi de t sous la forme exponentielle moins i lambda t, un psi donné qui lui ne dépend pas du temps, sera en fait un état stationnaire, et dans ce cas-là, le psi en question sera solution, sera juste une fonction propre de l'opérateur Hn. Et n'oubliez pas que psi est toujours supposé normaliser dans L2. Bien. Et donc voilà les états stationnaires. Vous en avez un particulier qui est celui d'énergie minimale. Et donc si maintenant vous voulez décrire un tel système, j'aurais peut-être pas dû l'appeler lambda, parce qu'on a un autre lambda, excusez-moi. Je vais l'appeler E. Ça n'a rien à voir avec l'autre lambda. Voilà. Donc, si vous voulez décrire le système en question, si vous regardez la dynamique, vous devez résoudre cette équation. Et si vous cherchez les états stationnaires, vous devez résoudre cette équation. D'accord ? Donc, c'est un problème aux valeurs propres. Et n'oubliez pas aussi qu'on doit se restreindre aux sous-espaces des fonctions qui sont symétriques pour les bosons et antisymétriques pour les fermions. Et pour nous, ce sera surtout symétrique. Alors, résoudre cette équation sur un ordinateur de manière approchée est extrêmement difficile et en fait quasi impossible. Et la raison, c'est que dès que n est un peu trop grand, la dimension croît avec n, et donc le problème devient exponentiellement difficile. Donc en fait, d'un point de vue pratique, cette équation n'est pas très utile. Elle est très simple, elle tient sur une toute petite ligne, mais c'est très dur d'en faire quelque chose. Et donc les gens sont très avides de trouver des approximations qui soient plus faciles d'accès et qu'on puisse, par exemple, simuler sur un ordinateur. D'accord ? Donc le but, c'est trouver un régime où le système est décrit par un modèle plus simple. Enfin, plus simple. Finalement, c'est simple, d'accord ? C'est un modèle linéaire, et voilà. Mais il est peut-être plus accessible, je devrais dire. Accessible numériquement. Donc, dans ce cours, on va regarder un régime particulier qui s'appelle le régime de champ moyen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, champ moyen? Ça veut dire qu'on va regarder la limite où le nombre de particules est très grand et où, en même temps, la constante de couplage lambda est très petite. D'accord ? Mais si on la prend trop petite, ça ne va pas être très intéressant. Il faut qu'elle soit petite, mais tout en contribuant de manière intéressante au problème. Il faut que les interactions jouent un rôle. Et en fait, le bon régime, c'est quand lambda se comporte comme 1 sur le nombre de particules, et c'est ce qu'on appelle le régime de champ moyen. Donc c'est ce régime qu'on va étudier. Alors pourquoi lambda comme 1 sur le nombre de particules? Bon. Si vous regardez la définition du hamiltonien, c'est assez intuitif que quelque chose va se simplifier dans ce cas-là. Vous voyez que le hamiltonien que j'ai écrit ici contient deux sommes. Le premier a une somme de n termes et le deuxième a une double somme. Donc vous avez de l'ordre de n carré termes, exactement n-1 sur 2. Et donc si vous voulez que l'interaction joue le même rôle, enfin que les deux soient du même ordre, c'est assez naturel de prendre lambda d'ordre 1 sur n. D'accord ? Donc ça, c'est naturel pour que les termes jouent tous soient du même ordre. Mais par ailleurs, pourquoi ça s'appelle champ moyen? C'est à cause de la loi des grands nombres. Donc on imagine, on pense, on espère. On pense que les particules, donc dans ce régime, vont se comporter de manière indépendante, ou même IID. De façon indépendante. Et si c'est le cas, la loi des grands nombres va vous dire que l'interaction va devenir un champ moyen, c'est-à-dire quelque chose de non linéaire qui va dépendre de l'état des particules. Quand on sait. Si vous regardez, je ne sais pas, la particule numéro J, et que vous regardez dans le hamiltonien l'interaction que subit cette particule numéro J, donc c'est la somme k égale 1 à n et k différent de J, et maintenant lambda est d'ordre 1 sur n devant, W de xj moins xk, la loi des grands nombres va vous dire que ceci va se comporter comme la probabilité commune à toutes ces particules, je l'appelle rho. Enfin, je vais d'abord écrire W de xj moins x et que j'intègre contre la probabilité commune à toutes ces particules. D'accord ? Et qu'est-ce que c'est rho ? Ben, vous voyez, comme toutes les particules sont indiscernables, regardez la JM ou regardez la première, c'est pareil. Et donc vous trouvez rho en intégrant ce qui se passe pour toutes les particules, sauf la première, par exemple. D'accord, donc, dit autrement, rho de x, c'est la première marginale de la probabilité pour les positions. Donc ça, c'est ce qui va décrire la probabilité de position pour la particule numéro 1, donc pour toutes, puisque psi est symétrique, enfin psi carré, ou enfin psi est symétrique, d'accord. Et si elle devient indépendante, la loi des grands nombres vous dit quelque chose comme ça, et donc à la fin, vous allez tomber sur un modèle non linéaire. Alors, une manière très simple de trouver le modèle non linéaire en question, c'est de supposer que les particules sont exactement indépendantes. Ce qui est un petit peu trop, on ne s'attend pas à ce qu'elles soient exactement indépendantes pour tout n, elles vont seulement devenir indépendantes progressivement, mais supposons, juste pour voir, que les n particules sont exactement indépendantes. Donc, comment ça se traduit? Ça veut dire que vous prenez un psi particulier qui est un produit U de x1, U de xn, où U est maintenant une fonction normalisée dans RD. D'accord? Si vous avez un psi qui est un produit comme ça, évidemment, le psi carré va se factoriser, et le psi chapeau aussi. Alors ça, généralement, on le note U tenseur N, cette fonction. Je vais utiliser cette notation tout le temps. Bien. Et donc maintenant, on peut calculer l'énergie d'une telle fonction. Donc on calcule, si vous voulez, U tenseur N, notre hamiltonien U tenseur N. Et donc je ne vais pas faire tout le calcul, mais c'est assez facile. Vous voyez que... ici, vous avez n termes, et de toute façon, ils se sont tous les mêmes, puisque la fonction est symétrique. Donc, vous allez trouver n fois le terme où vous prenez seulement x1. Et si ça agit seulement sur x1, les variables x2 jusqu'à xn vont être intégrées, et à cause de la contrainte de normalisation, ça fera 1. Donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver exactement n fois l'intégrale de gradient de u au carré sur RD, sur 2m, j'espère que je n'oublie pas le 2m, plus v de x fois u au carré, le tout dx, ça c'est pour le premier terme. Et pour le second terme, là, c'est pareil, vous pouvez prendre une paire favorite, par exemple x1, x2, et vous aurez nn-1 sur 2 fois celui-là, et si vous faites le calcul, vous allez trouver lambda nn-1 sur 2, l'intégrale sur RD de U de x au carré, U de y au carré, W de x moins y, dx dy. Alors ce que vous voyez, c'est que cette énergie est maintenant non linéaire, enfin je devrais dire plutôt non quadratique. Donc vous avez une partie quadratique donc, qui va contribuer, enfin qui va donner une équation linéaire. Pour le début, et ensuite une partie quartique qui va donner une équation cubique. Alors vous remarquez aussi qu'on peut factoriser n, je vais peut-être factoriser tout de suite. Et je vous rappelle que lambda est d'ordre 1 sur n, donc du coup c'est assez naturel, ce choix à nouveau. Vous voyez que ça tend essentiellement vers 1. Et donc, à la limite, vous voyez que ça, c'est à peu près égal à n fois une énergie non linéaire qui ne dépend que de u et plus de n, qui est juste cette formule où ici j'ai remplacé lambda n-1 par 1, qu'on appelle l'énergie de Hartree, et qui est une version un petit peu régularisée de l'énergie de Schrödinger non linéaire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un u puissance 4, on a un u carré avec un w de x moins y. Alors, on peut écrire donc à ce modèle non linéaire sont associées une équation dépendante du temps et une équation pour les solutions stationnaires. Donc, c'est IU point qui vaut moins Laplacien sur 2m plus v plus U carré convolé avec WU. D'accord. Et bien sûr, l'équation valeur propre non linéaire. Vous avez le même opérateur qui est égal à E fois U. Bien. Donc, ce qui va nous intéresser ici, et ce qui a intéressé beaucoup les gens depuis de nombreuses années, c'est le lien entre le modèle quantique que je vous ai présenté et ce modèle non linéaire plus simple. Donc évidemment, on perd en simplicité parce qu'il est non linéaire, mais on a énormément gagné sur la complexité puisqu'on est maintenant dans RD, alors que l'autre problème était dans RDN. Ça grandissait de manière dramatique avec N. D'accord ? Donc l'idée, maintenant, et c'est celle qui va nous occuper, c'est le lien entre ces deux théories. Donc il y a essentiellement trois approches, trois questions, avec beaucoup de travaux sur au moins les deux premières questions. Donc la première question, c'est on peut se demander quel est le lien entre les deux équations dépendantes du temps. Donc une manière très simple, un petit peu schématique, c'est que vous regardez l'équation dépendante du temps suivante. Donc maintenant lambda c'est 1 sur n. Bon, peut-être j'ai pris lambda. Vous regardez l'équation de Schrödinger dépendante du temps et vous essayez de la relier avec l'équation non linéaire. D'accord ? Et évidemment, pour la relier, il faut bien une hypothèse, au moins sur ce qui se passe au temps t égale à 0. Donc par exemple, vous prenez psi de 0, qui est déjà factorisé, ce qui est un petit peu trop fort, enfin bon, on peut commencer comme ça, et vous vous demandez, est-ce que ça va rester factorisé? Ça c'est faux, je vous l'ai déjà un petit peu dit, c'est un petit peu trop fort, mais est-ce que dans un sens faible, le psi sera correctement décrit par un u de t, qui est la solution du problème non linéaire qui démarre avec ce U0. D'accord ? Donc ça, c'est la dérivation, si vous voulez, de l'équation non linéaire à partir de l'équation de Schrödinger linéaire, où vous avez une équation linéaire, mais en dimension très très grande, qui va converger, dans un sens faible que je n'ai pas vraiment expliqué pour l'instant, vers une équation non linéaire, en dimension beaucoup plus petite, qui est maintenant fixe et indépendante de n. Donc il y a énormément de résultats sur ce problème. Je pense qu'on peut dire que ça a commencé avec Hepp en 1974. Ensuite, il y a beaucoup de résultats de Ginibre et Vélo, dont le premier article doit être en 1979, je pense. Spohn en 1980. Et puis vraiment beaucoup de travaux. Je vous donne peut-être juste des idées des équipes qui ont travaillé dessus. Vous avez Bardos, Gold, Lieb, Mauser dans les années 2000, Erdos, Yau, et leurs collaborateurs aussi dans les années 2000. Vous avez des gens autour de Jürg Frölich, avec Graffi et Schwartz, c'était 2007, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Vous avez Pickle, qui a récemment inventé une nouvelle méthode pour faire le lien entre ces deux équations. Et vous avez Amari et Nier, je pense que ça doit être 2008, qui ont aussi inventé une nouvelle méthode qui est fortement reliée à ce que je vais vous raconter. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux, j'en ai oublié déjà plein là. Je vous ai donné des noms importants. Et la philosophie est toujours la même, c'est que vous supposez qu'au temps t égale à 0, les particules sont déjà indépendantes ou quasi indépendantes. Ici, j'ai supposé qu'elles étaient vraiment toutes exactement indépendantes. Et vous voulez démontrer que l'indépendance reste. D'accord ? Alors vous pouvez fixer le temps auquel vous regardez et faire tendre n vers l'infini, ou essayer d'aller en temps long. Là, il y a beaucoup moins de résultats. D'accord ? Et c'est le type de question que les gens ont regardé. Alors, ça c'était pour l'équation dépendante du temps. Maintenant, vous pouvez regarder les solutions stationnaires. Alors, je pense que les gens ont surtout regardé les minimiseurs parce qu'il voulaient utiliser des méthodes variationnelles. Donc là, la question, c'est que vous regardez la première valeur propre de Hn, c'est-à-dire vous regardez le problème inf, inf du spectre de Hn. Bon, et bien sûr, c'est toujours n qui tend vers l'infini et lambda n qui tend vers 1. D'accord, c'est le champ moyen. Il faut regarder l'inf du spectre, que vous pouvez écrire juste comme l'inf de psi hn lambda psi, avec psi normalisé. D'accord, et vous essayez de relier ce problème avec le problème de minimiser, la fonctionnelle non linéaire que j'ai écrite ici, c'est-à-dire l'infimum de l'énergie de Hartree sous la contrainte que U est aussi normalisée. Voilà, donc ça c'est la version minimiseur. Alors en fait, je pense qu'on peut dire qu'il y a moins de résultats, et beaucoup des résultats existants, en fait, concernaient des problèmes particuliers. Donc vous avez Benguria et Lieb qui ont regardé un modèle particulier en 83. Lieb et Yau, je dirais quel modèle tout à l'heure, en 87, qui ont regardé un autre modèle. Ensuite, vous avez des gens avec des méthodes plus probabilistes autour de Werner, donc Petz, Radio, Weber et Werner. Ça, c'est à partir de 89, qui regardaient... à ma connaissance, c'est les seuls qui regardaient un modèle un peu général, c'est-à-dire avec des V et W assez généraux, mais par contre, qui étaient toujours confinés, c'est-à-dire avec V qui tend vers plus l'infini, en l'infini. D'accord ? Un cas où on est sûr on n'a pas de perte de masse, de perte de compacité. Ensuite, vous avez Lieb, Seiringer et Yngvason qui ont regardé, dans les années 2000, qui ont regardé des problèmes de ce type, mais un petit peu plus compliqués, parce que le W dépend de N chez eux, et dépend de N de sorte que le W converge vers une delta. Et dans ce cas-là, on trouve NLS à la limite. Je vais revenir là-dessus. Moi, mon W est fixe, mais on pourrait le faire dépendre de N. Et puis ensuite, avec Nam et Rougerie, donc on a étudié ce problème, et je pense qu'on a donné le premier résultat qui soit vraiment générique, au sens où il ne dépend pas vraiment des potentiels V et W, alors que tous les autres résultats précédents utilisaient la forme spécifique, enfin une forme spécifique ou certaines hypothèses sur V et W. Je vais vous expliquer notre résultat un petit peu plus tard. D'accord? Donc ça, c'est pour les minimiseurs. Et puis ensuite, maintenant, il y a une troisième question qui nous intéresse encore plus ici, qui est le cas des mesures de Gibbs, qui est juste l'étape suivante quand on regarde les problèmes de les minimiseurs, qui est de regarder d'autres, d'une certaine manière, d'autres solutions stationnaires, mais qui sont des mesures. Donc c'est d'autres mesures. Enfin là, il n'y a pas vraiment de mesure, vous allez me dire, mais c'est juste qu'on a une Dirac, puisqu'on a un minimiseur, donc d'autres mesures qui sont invariantes par le flot. Donc, dans le cas quantique, là je vais être très vague parce que je vais tout vous expliquer en détail, hein, mais pour l'instant je décris rapidement. Vous regardez l'opérateur exponentiel moins bêta h avec une constante de normalisation. D'accord ? Ça c'est un opérateur qui va être invariant par le flot, et vous vous demandez s'il y a un lien avec une mesure de Gibbs non linéaire, c'est-à-dire exponentielle moins bêta de l'énergie de U du avec un coefficient de normalisation devant, qui est un genre de mesure de Wiener définie sur un espace de fonctions et qu'on va définir dans ce cours précisément. D'accord ? Donc c'est une mesure non linéaire dans le sens où l'énergie ici est non linéaire. D'accord ? Et c'est toujours dans la même limite, n qui tend vers l'infini et lambda n qui tend vers 1. Donc ces mesures sont chacune invariantes par le flow, et c'est ce qui correspond au cas où la température dans le système est positive, et la température c'est 1 sur bêta. Donc si vous faites tendre T vers 0, ou ce qui est équivalent bêta vers l'infini, ces mesures-là vont se concentrer sur les minimiseurs, et donc c'est vraiment la généralisation du problème de minimisation. On va tout expliquer en détail, je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Je voulais juste vous dire que, à ma connaissance, les gens n'avaient pas trop regardé ce problème jusqu'à maintenant. Et ce que je vais vous raconter est encore un travail en collaboration avec Nam et Rougerie. Oui. Sur le problème dépendant du temps, on n'a aucun exemple d'un phénomène qui serait où des données initiales qui ne seraient pas du tout décorrélées à l'instant initial, se décorréleraient toutes seules à Saint-Ouen. Alors, pas à ma connaissance, je peux me tromper. Bien sûr, la plupart des théorèmes ne sont pas aussi forts. On suppose que ça se décorrèle dans un... Toujours dans un certain sens qu'il y a une décorrélation ou un asymptotique. Alors, à ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. Et d'ailleurs, c'est une différence fondamentale entre les problèmes dépendant du temps et les problèmes stationnaires, c'est que là, on suppose vraiment toujours qu'au temps t égale à 0, il y a une forme d'indépendance, et on veut montrer stabilité de cette indépendance, ou propagation de l'indépendance, propagation du chaos, il faudrait dire, quand n devient grand. D'accord ? Donc on fait une supposition, et on veut montrer que c'est stable. Là, il faut vraiment démontrer que ça se décorrèle tout seul. Donc d'une certaine manière... Il y a une question supplémentaire qui est vraiment de démontrer que les particules deviennent indépendantes. Bien sûr, beaucoup d'outils utilisés dans le cas dépendant du temps ont ensuite été utilisés dans le cas stationnaire et inversement. Donc, après notre travail, il y a des articles qui ont utilisé ce qu'on a fait dans le cas stationnaire pour dire plus sur le cas dépendant du temps. Donc il y a des liens entre les deux, mais c'est quand même pas vraiment tout à fait les mêmes questions. Voilà, donc ça, c'est les mesures de Gibbs. Et c'est un petit peu la question naturelle, une fois qu'on a regardé le problème à température nulle là-bas. Mais à ma connaissance, ça n'avait pas été trop regardé. Évidemment, comme vous allez voir, ces mesures sont vraiment très intéressantes. Elles sont connues, hein. Elles sont très bien connues depuis au moins les années 70. Elles sont fortement utilisées maintenant par plusieurs personnes dans la communauté dispersive, en particulier pour construire des solutions d'équations de type Schrödinger non linéaire avec des conditions initiales très mauvaises, pas lisses du tout. Mais la dérivation à partir de la mécanique quantique, je ne connais rien de ce type. Alors, sauf que vous parlez de ça tout de suite, sans vous avoir expliqué avant le problème des minimiseurs, ça serait un petit peu malvenu. Donc aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur le problème des minimiseurs pour bien tout mettre à plat. Et la semaine prochaine, à la même heure et au même endroit, on commencera immédiatement par parler des mesures de Gibbs. Pour le problème des minimiseurs, je ne veux pas passer trop de temps, puisqu'il y a eu un fantastique cours de Nicolas Rougerie, un cours PECO au Collège de France l'année dernière, où il a tout fait en détail. Et vous pouvez regarder les vidéos sur Internet. Donc aujourd'hui, je vais juste vous raconter ce qui se passe, je vais quasiment pas faire de preuves, et juste vous dire le type de résultat, pour que vous compreniez plus naturellement ce qui se passe à température positive. Alors, la limite de champ moyen, ce n'est pas quelque chose qui est cantonné à la mécanique quantique, c'est un problème qui apparaît dans beaucoup de domaines. Vous pouvez le regarder en mécanique classique, en probabilité, il y a beaucoup de choses. Les matrices aléatoires, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup. Vous avez des gens qui font des réseaux de neurones, il y a encore des problèmes de type champ moyen. En économie, ça apparaît tout le temps. Vous avez les jeux à champ moyen qui ont été introduits par Lasry et Lions. Donc c'est vraiment un cadre assez général qui n'est pas du tout cantonné à la mécanique quantique comme je vous le présente ici. Et certains des outils que je vais vous présenter sont en fait généraux. D'accord ? Mais on va quand même se concentrer sur ce problème quantique, qui est celui que je vous ai écrit ici, et que je vais essayer de ne pas effacer, donc le hamiltonien là-haut. Alors, il faut que je vous fasse une remarque importante, qui est que vous avez deux manières d'aborder le problème, et en physique statistique, on dit canonique ou grand canonique. Donc, vous avez le problème canonique, qui est en fait celui que je vous ai présenté, où vous dites que vous connaissez le nombre de particules n, et vous le faites tendre vers l'infini. D'accord ? Et il faut opposer ça à grand canonique, dans lequel n est lui-même une variable aléatoire. Et dans ce cas-là, vous allez faire une moyenne sur différents n, et c'est seulement le n moyen qui va tendre vers l'infini. Donc là, vous avez un n qui tend vers l'infini et lambda n qui tend vers 1. En grand canonique, c'est plutôt le n moyen qui va tendre vers l'infini, et du coup, le lambda sera vraiment d'ordre 1 sur le n moyen, puisqu'il n'y a pas de n vraiment déterminé. Je reste vague, hein, je vais définir tout ça plus précisément. Et dans tous les travaux que je vous ai donnés, vous avez des articles qui sont vraiment en grand canonique et des articles qui sont canoniques. Lambda est toujours déterministe. Et lambda est toujours déterministe, oui. Je pense qu'on n'est pas obligé, mais dans les articles... Bon. Donc par exemple, l'article de Hepp était en fait grand canonique. Je vous donne juste quelques exemples. Hein. Et il y a un article de Rodnyansky et Schlein où ils montrent qu'à partir d'une approche grand canonique, on peut trouver le théorème canonique. Donc vous avez bien sûr des liens entre les deux, et parfois c'est plus agréable de travailler avec l'un pour en déduire quelque chose sur l'autre. Et d'ailleurs, généralement, c'est plus agréable de travailler en grand canonique, puisque là, on a des manipulations algébriques qui sont plus faciles. Donc parfois, il est utile de commencer par le problème où on fait une moyenne sur différents n pour en déduire quelque chose à n fixé. Et en fait, notre résultat ici sera grand canonique, c'est pour ça que je vous dis ça dès maintenant. Alors, avant de faire la pause, je voudrais faire quelques commentaires sur la pertinence physique. En commençant immédiatement par vous dire que le modèle de champ moyen n'est pas un modèle physique. Donc, pas pourquoi? Ben simplement parce qu'on va démontrer que dans ce modèle, vous avez toujours condensation. Si vous voulez, les particules deviennent toujours indépendantes. Il n'y a jamais de corrélation et il n'y a pas de raison. Donc les systèmes physiques, généralement, ça dépend des conditions. Et dans certaines conditions, il y aura cette forme d'indépendance qui va apparaître et dans d'autres, pas du tout. Donc ce qui est vraiment important, c'est que ce modèle de champ moyen, vous devez penser que c'est un peu un modèle, pas un modèle jouet, mais... un modèle dans lequel on est sûr que l'indépendance va toujours apparaître. Et ensuite, quand vous avez un modèle physique particulier, il faut essayer de démontrer que dans un certain régime, il va s'écrire sous une forme très proche de celui que j'ai écrit, avec un lambda qui va se comporter comme 1 sur n. Il n'y a pas de raison d'avoir un lambda qui se comporte comme 1 sur n dans un vrai modèle. D'accord ? Donc c'est plutôt que certains systèmes physiques peuvent être décrits par un modèle de champ moyen dans un régime particulier. Et souvent, c'est après une manipulation, d'accord, un changement d'échelle ou quelque chose comme ça. Alors, je vais vous donner des exemples. Donc l'exemple numéro 1, c'est les atomes. Donc vous prenez un atome qui a n électrons. Donc n, c'est le nombre d'électrons. Et Z, et, disons un noyau de charge Z. C'est-à-dire Z protons, mais un seul noyau. Donc tous les protons sont... Dans ce cas-là, le modèle que je ne vais pas écrire n'est pas du tout sous la forme que j'ai mentionnée. Mais en faisant une dilatation, une certaine dilatation, en fait, on peut voir qu'on peut s'y ramener dans la limite où n sur z, donc n est grand, et n sur z est d'ordre 1. Donc si n sur z tend vers une constante t, dans ce cas, c'est exactement sous la forme que j'ai mentionnée, avec v de x qui va être moins 1 sur t module de x, et w qui va être 1 sur x, et tout ça en dimension 3. D'accord, donc c'est seulement dans ce régime où n est grand et où le nombre de protons est proportionnel au nombre d'électrons qu'on peut l'écrire après avoir fait une dilatation sous la forme que j'ai mentionnée. Si on n'est pas dans ce régime, ce n'est pas du tout chambouillant. Voilà. Et par ailleurs, dans la vie, les électrons sont des fermions, et donc on fait ici une hypothèse fausse en supposant que les électrons sont des bosons. D'accord ? Donc ce qui n'est pas tout à fait physique, mais on peut faire quelque chose de similaire pour les fermions, mais j'ai dit que j'en parlerai pas trop. Donc ça, c'est un exemple. Et c'est ce qui avait été considéré par Benguria et Lieb en 1983. Bien. Alors un deuxième exemple, c'est des modèles pour les étoiles. D'accord ? Et ça, c'est ce qui avait été considéré par Lieb, Seiringer et Yau. Et dans ce cas-là, le modèle typique, c'est V égale à 0 et W égale W de X égale à moins 1 sur X, et W représente l'attraction de Newton. Donc c'est des systèmes gravitationnels. Et il faut, pareil, comme vous avez un Laplacien et ensuite 1 sur module de x, et c'est aussi en dimension 3, bah vous pouvez toujours faire une dilatation, et comme les deux termes ne se comportent pas pareil vis-à-vis des dilatations, vous pouvez toujours le mettre sous la forme que j'ai mentionnée avec un lambda qui est 1 sur n. Et dans le régime où il est sous cette forme, bah vous avez condensation, vous pouvez dire des choses. En fait, ils ont même regardé le cas où le Laplacien est remplacé par un Laplacien fractionnaire. D'accord, qu'on peut aussi regarder. Et dans ce cas-là, ils arrivent à dire que une masse, enfin, les étoiles ont une masse critique avant qu'il y ait effondrement, des choses comme ça. Parce que cette fois, vis-à-vis des dilatations, la racine du Laplacien se comporte comme le 1 sur x. Donc ça devient critique pour l'énergie. Alors un troisième exemple, c'est ce qu'on appelle les gaz dilués. Donc, qu'est-ce que c'est un gaz dilué? Bah, c'est un gaz dilué, c'est-à-dire vous prenez une grande boîte, je vais le mettre aussi en dimension 3, sauf que je fais le dessin en dimension 2, une grande boîte de taille L, L est très grand, et dedans, vous mettez N particules qui interagissent avec un potentiel W que vous ne connaissez pas et qui, lui, est d'ordre 1. D'accord? Et dilué veut simplement dire que N est beaucoup plus petit que L cube, quand vous avez beaucoup moins de particules que le volume de la boîte. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire une dilatation pour vous ramener à un problème dans une boîte de taille 1, avec maintenant des particules qui vont interagir avec un potentiel qui dépend de L. Si vous faites cette dilatation, vous allez voir qu'on se ramène au problème où V vaut 0, on prend V égale à 0. Bon, il faut choisir des conditions au bord de la boîte. On peut penser que V, c'est juste plus l'infini en dehors de la boîte et 0 dedans. Dans ce cas-là, vous avez Dirichlet, par exemple. Donc, vous aurez V égale à 0, et le W va dépendre de L. Le W sera L carré W de Lx. Ce sera le nouveau W dans cette boîte de taille 1. Juste après dilatation, il faut faire le calcul. Et donc vous voyez que vous pouvez le mettre sous la forme ici. Il n'y a pas de lambda, il n'y a pas de 1 sur n, mais vous pouvez le mettre sous la forme que je vous ai mentionnée en prenant L égale à n Et dans ce cas-là, vous aurez 1 sur n fois n cube w de nx. Vous allez vous retrouver avec 1 sur n fois n cube w de nx. Comme on est en dimension 3, ça c'est quelque chose qui converge vers une delta, bon, fois l'intégrale de w. Et donc vous êtes exactement dans la situation que j'ai mentionnée, mais avec un w qui dépend de n et qui tend vers une delta. D'accord ? Donc pour les gaz dilués, en fait, vous allez avoir convergence non pas vers le modèle que j'ai écrit, mais comme le W dépend de N et tend vers une delta, vous aurez convergence vers le modèle qui a U puissance 4, c'est-à-dire NLS. D'accord, Schrödinger. Alors, sauf qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'on pourrait penser que la limite va être exactement U puissance 4 avec devant la constante intégrale de W, mais ça c'est faux. La constante qui apparaît dans le modèle est différente et c'est la longueur de diffusion de W qui apparaît, qui est en fait plus grande si W est positif, strictement plus grande. D'accord ? Donc c'est une petite subtilité et c'est tout ce qui a été étudié par Lieb, Seiringer, Yngvason dans une série d'articles dans les années 2000. D'accord, donc quand on regarde des gaz dilués, on aboutit naturellement à un problème où le W dépend de N et converge vers une delta, sauf que dans le bon régime, il converge vers une delta assez vite, d'accord, avec une vitesse, enfin une distance caractéristique 1 sur N. Et du coup, ça rend le problème plus compliqué. Les gens ont regardé des modèles intermédiaires où au lieu de faire une dilatation d'ordre n, vous faites une dilatation d'ordre n à la puissance bêta. D'accord ? Vous mettez n bêta, n3 bêta ici. Ça va encore converger vers une delta, sauf si bêta vaut 0. Comme ça, vous avez toute une classe de modèles qui interpolent entre le cas où w est fixe et le cas où w se concentre comme ça. Et à condition que bêta soit strictement plus petit que 1, vous aurez convergence vers NLS avec l'intégrale de w devant. D'accord ? Donc la convergence avec le n ici est juste critique. En fait, c'est la dernière pour laquelle on peut démontrer quelque chose. Si ça tendait plus vite vers une delta, il n'y aurait pas... Ce n'est pas du tout un régime de champ moyen. Et avec juste n, vous voyez la longueur de diffusion. Et si vous êtes en dessous de n, vous avez convergence vers une delta avec l'intégrale de w. D'accord ? Donc ça, c'est ce que les gens ont fait dans les années 2000. Et puis, je voulais vous dire une dernière chose avant la pause, là, qui est que ce modèle de Hartree ou de NLS, selon si vous avez obtenu delta ou si vous avez gardé W à la limite, décrit très bien ce qu'on appelle les condensats de Bose-Einstein. Qui sont des objets qu'on peut maintenant vraiment fabriquer en laboratoire. On peut faire des mesures et comparer avec les simulations numériques pour le modèle de Hartree ou de NLS et voir que vraiment ce modèle est très bon. Donc par exemple, si vous prenez un condensat et que vous le faites tourner, ce que vous allez voir, c'est que vous le faites tourner assez vite. Dans le condensat vont apparaître des petits tourbillons. Et quand vous faites tourner très vite, les petits tourbillons vont... se placer sur un réseau triangulaire. D'accord ? Donc dans le plan qui est orthogonal à l'axe de rotation. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien décrit par ce modèle non linéaire et qui a été beaucoup étudié dans la communauté des EDP ces dernières années. Qu'est-ce que ça signifie de le faire tourner ? Ça veut dire que l'opérateur moins laplacien... Bon, vous avez plusieurs termes ajoutés dans l'énergie, mais certains peuvent être inclus dans le V. D'accord ? Donc, je ne les ajoute pas, mais pour le Laplacien, il faut changer le Laplacien en moins i gradient plus a de x au carré, où a de x c'est un petit peu comme un, comme un potentiel magnétique, mais, sauf que les particules ne sont pas chargées, donc c'est vraiment du vitesse de rotation, et c'est vraiment quelque chose du style, à un signe près, x vectoriel oméga, où oméga c'est l'axe de rotation. D'accord ? Donc, pour décrire de tels objets, c'est en fait aussi important de pouvoir remplacer le laplacien par un opérateur sous cette forme. Et là, il y a vraiment une grande difficulté que je vais vous expliquer après la pause. Bien, merci. Donc, on va redémarrer. Après cette longue introduction, je voudrais qu'on parle maintenant de minimiseurs. On va essayer de faire ça juste pendant une heure avant de passer au cas un petit peu plus nouveau des mesures de Gibbs. Donc, ce que je vous raconte ici, c'est un travail donc, en collaboration avec Nam et Rougerie, qui est publié dans Advances et qui doit être 2014. Donc j'ai recopié ici les deux objets qui nous intéressent, c'est-à-dire le hamiltonien quantique pour le problème à n-corps et l'énergie non linéaire qu'on va obtenir à la limite. Alors j'ai mis le A, puisque je vous ai mentionné que pour par exemple, les condensats de Bose-Einstein en rotation, mettre le A, c'était important. Et j'ai aussi changé de système d'unité. J'ai supposé que 2m était égal à 1, ce qu'on peut toujours faire après un bon changement de variable. D'accord? Bien. Et je vous rappelle que lambda va se comporter comme 1 sur n. Et pour simplifier certains calculs, mais ça ne change absolument rien, je vais même prendre exactement 1 sur n moins 1. Mais ne soyez pas troublés. C'est juste que certains calculs vont être un petit peu plus simples. Souvenez-vous le calcul que j'avais fait, on trouvait lambda fois n-1, et donc en prenant ça, l'énergie d'un état factorisé est exactement n fois l'énergie de Hartree qui est en bas. Peut-être que je rajoute ça au tableau pour que vous l'ayez toujours. Hein, donc si vous regardez U tenseur n, et donc du coup je ne mets plus le lambda ici, U tenseur n, vous trouvez exactement n fois l'énergie de U, non linéaire de U. Bien. Et donc, la question qu'on se pose, c'est quel est le lien entre minimiser l'énergie à n-corps, c'est-à-dire regarder la première valeur propre de Hn, et minimiser cette énergie non linéaire. Éventuellement, il peut y avoir plusieurs minimiseurs, hein, il n'y a pas d'unicité, tant qu'on ne fait pas d'hypothèse spécifique sur W. Donc, pour ça, on va introduire les deux objets. Donc, on introduit E de n, qui est l'inf du spectre de Hn. N'oubliez pas qu'on se restreint aux fonctions symétriques, ce qui est important si A n'est pas nul, mais n'a en fait aucune importance si A est nul. On peut toujours démontrer que l'état fondamental de cet opérateur est positif et symétrique, si A est nul. Mais si A n'est pas nul, on n'est pas obligé. Bien. Et je vais appeler E indice H, petit e indice h, l'infimum de notre énergie non linéaire, toujours sous la contrainte que u carré est égal à 1. Et bien sûr, il faut aussi que les autres termes fassent sens, mais c'est ce que je vais discuter maintenant. Donc il faut mettre des hypothèses sur V et W. On va travailler dans le cas le plus simple tout en restant quand même assez général, c'est-à-dire on va supposer que tout est sous critique, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser les injections de Sobolev pour pouvoir contrôler le terme avec V et W avec le gradient. D'accord, donc on va supposer, donc V, je vais l'écrire V plus moins V moins. Donc V plus, c'est la partie positive de V, et V moins, c'est la partie négative. Et évidemment, il y a plus d'hypothèses sur la partie négative, c'est normal. Donc V plus, on a juste besoin que ça soit dans L1 loc. D'accord, et puis on se restreint juste aux fonctions telles que V plus soit U carré soit L1. Ce que je n'écris pas ici dans la définition, c'est juste que sinon l'énergie est infinie. Donc voilà. Alors V-, on va supposer que ça s'écrit F1 plus F2. Et on va supposer aussi que W s'écrit F3 plus F4. Et que A carré... bon, A, je parlerai après. D'accord ? Et les FI, on suppose qu'ils sont dans LPI de RD, avec des P qui sont sous critique, c'est-à-dire que les PI sont tous entre 1 et l'infini si D vaut 1. Strictement plus grand que 1 si D est égal à 2, et supérieur ou égaux à D sur 2 si D est supérieur ou égal à 3. Donc c'est les conditions qu'il faut pour pouvoir appliquer l'injection de Sobolev et vérifier que ces termes sont contrôlables par le gradient. D'accord, je les ai tous supposés finis, mais vous avez aussi le droit de supposer que FI est dans L infini si vous voulez. Mais alors, il faut ajouter l'hypothèse s'attend vers 0 à l'infini. D'accord, donc dit autrement, on suppose que c'est des fonctions assez intégrables qui tendent vers 0 dans un sens faible à l'infini. Sauf pour V+, qui peut éventuellement tendre vers plus l'infini. D'ailleurs, on peut aussi autoriser V+, égale plus l'infini sur RD moins 1 ouvert, si vous avez envie, auquel cas on se retrouvera avec les conditions de Dirichlet sur oméga. Bon, mais si je mets trop de conditions différentes, ça va devenir trop compliqué, donc faisons simple. Bien. Pour le potentiel A, il suffit de supposer que A est dans L du max de 2, que A carré, pardon, de 2 et de D sur 2. Mettons pour D supérieur ou égal à 3, et puis vous pouvez adapter Locke dans le cas D égale 1 ou 2. D'accord, le A, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'hypothèses. Évidemment, il faut à la fin que cette fonction soit dans L2. D'accord. Bon. Essentiellement, on va autoriser des A qui tendent vers 0 à l'infini. On aime bien, en dimension 3, on aime bien A dans L6. Pourquoi? Parce que si on pense à un potentiel magnétique, on a envie de dire que le champ magnétique est intégrable. Le champ magnétique, c'est le rotationnel de A, et souvent la divergence de A égale à 0, et par Sobolev, ça vous dit que A doit être dans L6. Donc en dimension 3, c'est l'hypothèse habituelle. Ou alors, on a envie de mettre comme un champ magnétique constant, auquel cas A est juste oméga vectoriel X. C'est les deux cas physiques qu'on a envie de regarder. Bien. Alors, la première remarque qu'il faut faire, bien sûr, hein, c'est que l'énergie à n corps est évidemment inférieure ou égale à n fois le problème non linéaire, juste parce que c'est variationnel et qu'en prenant des gens factorisés, on trouve exactement ça. Et la deuxième remarque qui est un lemme ou une proposition, c'est que en utilisant les injections de Sobolev, vous allez voir que le E de n ne peut pas croître plus vite que n. Mais je ne vais pas le faire parce que ça serait un petit peu long, c'est vraiment juste utiliser la sous-criticalité de toutes ces fonctions. Alors du coup, le théorème, c'est le suivant. Bah, vous l'avez deviné, c'est dire que E de n sur n converge vers EH. D'accord? Quand n tend vers l'infini. Donc ça, c'est un théorème sur l'énergie. Donc ça vous dit que tant que vous regardez au niveau de l'énergie, vous trouvez une énergie convenable, vous allez trouver correctement l'énergie en supposant que tout est factorisé. Ça ne vous dit pas que c'est factorisé, ça vous dit juste que si vous supposez que c'est factorisé, bah, l'énergie est correcte au premier ordre. Parce que si vous supposez que c'est factorisé, bien sûr, quand vous minimisez sur tous les gens qui sont factorisés, vous trouvez n fois la valeur minimale de l'énergie non linéaire qui est EH. Bien. Donc ça, c'est le premier théorème. Évidemment, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est vraiment relier les minimiseurs. C'est-à-dire regarder une fonction, alors peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs, ça dépend de V, A, W, mais regarder une fonction qui est au moins un quasi-minimiseur du premier problème et se demander si ça converge en un certain sens vers les minimiseurs du second problème. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, on ne s'attend pas à ce que le psi soit un U tenseur N. Ça, c'est faux. On peut même démontrer que c'est dès que W n'est pas nul, c'est tout le temps faux. Et donc la manière dont on va converger vers les minimiseurs doit être différente, doit être beaucoup plus faible, et ça va être en regardant les marginales. Le théorème sera une convergence de marginales. Donc je vais vous énoncer maintenant le théorème. C'est le théorème 2. Donc le théorème 2, c'est le théorème confiné, qui est plus simple encore que... on a quand même besoin d'outils pour faire ça. C'est-à-dire on suppose que V plus tend vers plus l'infini à l'infini, qui va garantir qu'on n'a pas de perte de masse à l'infini et donner de la compacité. En fait, plus généralement, ce qu'on a vraiment besoin, c'est que l'opérateur moins i gradient plus a au carré plus v a une résolvante compacte. D'accord, le v, il pourrait tendre vers 0 à l'infini, mais dans ce cas-là, c'est le a qui, lui, doit créer, doit donner de la compacité. On sait ce qu'on suppose, voilà. Alors ensuite, on va prendre un quasi-minimiseur du premier problème ici. C'est-à-dire, on prend une suite psi n dans l'espace à n corps. Je vous rappelle que le psi doit être symétrique. Je l'indique avec un petit s en bas. Il doit être normalisé aussi. Et on suppose que c'est un quasi-minimiseur. Et la seule chose dont on ait vraiment besoin, c'est que ça donne l'énergie de façon correcte au premier ordre. Donc, comme on sait que l'énergie est d'ordre n à cause de la borne supérieure et de la borne inférieure que je vous ai mentionnées, finalement, on suppose que psi n, hn psi n. Donc bien sûr, chaque fois que j'écris un produit scalaire, je pense que c'est au sens des formes. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, fournit l'énergie au premier ordre. Je sais que l'énergie est d'ordre grand N. Donc, je dis que c'est la bonne énergie à un petit taux de N près. Donc, le théorème dit, alors, il existe une sous-suite, d'accord, telle que, pardon, et une mesure de probabilité mu sur L2 de RD à support dans l'ensemble des minimiseurs du problème non linéaire. Donc M, c'est l'ensemble des U dans L2 de RD. Et à chaque fois, j'étends l'énergie par plus l'infini. D'accord, évidemment, L2, c'est pas suffisant pour que l'énergie fasse sens, mais je l'étends par plus l'infini si besoin. Donc les U, ils doivent être normalisés. Et ils doivent fournir, là, donc ça doit être des minimiseurs. D'accord, ça c'est l'ensemble des minimiseurs. Tel que. Donc ce qu'on veut dire, c'est que toutes les marginales vont converger vers le problème non linéaire. Donc, qu'est-ce que c'est une marginale? Une marginale, c'est quand on observe seulement k particules parmi n. Le n est très grand, mais le k est fixe. Par exemple, on observe une seule particule. Ça, c'est exactement faire une marginale où on intègre sur toutes les particules sauf une, on n'en observe qu'une seule. Bien sûr, comme le psi est symétrique, ça n'a pas d'importance quelles particules vous regardez. On peut décider qu'on regarde les k premières. Et donc ça, comment on fait ça? Ben, on dit, pour tout opérateur A borné sur L2 de RD puissance K, donc notre opérateur A, c'est ce qui va servir à observer... Ah, ça te plaît pas? J'ai pris A pour quelque chose. Ah, c'est le champ magnétique, très bien. Alors je vais l'appeler B, puisque j'ai... Voilà. Je n'ai pas défini rotationnel de A, donc ça va. Puis en plus, comme c'est borné, c'est approprié. Merci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer K particules seulement. Donc ça veut dire qu'on prend psi NJ, là, je vous rappelle qu'on a extrait une sous-suite, et observer K particules, ça veut dire qu'on fait agir B sur les K premières, et B ne fait rien sur les autres. Alors une manière d'écrire ça, c'est juste B tenseur l'identité sur les autres. Mais ça signifie juste que votre opérateur B agit sur les variables x1 jusqu'à xk et n'agit pas sur les autres. Fois le psi nj. Cette chose converge vers ce que vous trouvez si jamais vous supposez que psi est factorisé. Si vous supposez que psi est factorisé, tout comme on a fait le calcul tout à l'heure de l'énergie, ben vous voyez que les n-k s'intègrent et il va rester b fois la fonction factorisée. Donc vous allez trouver u tenseur k, du tenseur k. Voilà. Sauf que, et le u va être un minimiseur du problème. Mais des minimiseurs, il y en a plein, d'accord? Enfin, il y en a plein, ça dépend des Il peut y en avoir plusieurs, on n'a pas du tout unicité forcément. Et donc ce que dit le théorème, c'est que cet objet va converger vers une combinaison convexe des minimiseurs. Et la combinaison convexe, c'est le mu. Et c'est aussi pour tout K. Et ça, c'est quand NJ tend vers l'infini. D'accord? Donc vous observez K particules, les K premières par exemple, ça n'a pas d'importance. Alors, seulement quand vous observez ces K premières, c'est comme si le psi était factorisé, et si le psi est factorisé, on trouve U tenseur K, BU tenseur K, c'est clair. Et en fait, comme il y a plusieurs minimiseurs possibles, éventuellement, on ne sait pas, on a une mesure qui décrit juste la superposition de tous ces minimiseurs possibles. Vous remarquerez que le U ne dépend pas de K. Le mu, pardon. Donc le mu ne dépend que de la sous-suite. Une fois que vous avez extrait la sous-suite, vous avez la mesure de probabilité mu, qui vous dit vers quelle combinaison de minimiseurs vous convergez. Et ensuite, quel que soit K et quel que soit B, vous allez observer cette combinaison avec la mesure mu. Minimiseur, il peut y en avoir une infinité. Minimiseur, il peut y en avoir un cercle même. Ou... Typiquement, s'il y a des problèmes avec des brisures de symétrie, où ça peut être un cercle, et le mu peut très bien être une mesure sur le cercle, qui peut être uniforme ou pas. Ou le mu est peut-être une delta, et dans ce cas-là, vous allez converger vers un seul minimiseur. Si le mu est une delta sur un minimiseur, dans ce cas-là, vous convergez vraiment vers ce minimiseur. Alors, ce que je devrais vous dire, c'est que, en fait, on peut toujours construire un psi-n bien choisi, pour lequel on va converger vers un certain mu, choisi à l'avance. Donc, si vous regardez l'ensemble des minimiseurs et que vous prenez n'importe quelle mesure de probabilité sur cet ensemble de minimiseurs, alors vous pouvez fabriquer un psi-n de sorte qu'on ait cette propriété, et donc on ne peut clairement pas faire mieux. Le théorème dit que c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Le théorème ne dit pas ce qui se passe si psi n est exactement un minimiseur du problème à n corps, puisqu'on le prend juste minimiseur à un petit taux de n près, et c'est ce petit taux de n qui permet de faire des moyennes un petit peu comme on veut, et à la fin de trouver n'importe quel mu. Dans beaucoup de cas, par exemple, si A vaut 0, le minimiseur de ce problème est unique, par un théorème de type Héron-Frobenius. Et donc le psi-n est unique, il est positif, strictement, partout. Et dans ce cas-là, on pourrait penser qu'il y a un seul mu, mais on ne sait pas très bien lequel c'est. Ce n'est pas ce que dit le théorème, parce que le théorème, c'est toujours un petit taux de n près, et dans ce cas-là... Donc ce que tu nous dis, c'est que... On peut obtenir n'importe quelle mesure à l'arrivée, à condition de relâcher un peu. Voilà. Mais par contre, c'est ouvert de savoir quelles sont les mesures qu'on peut obtenir exactement si on partait exactement des minimiseurs. Voilà. En fait, probablement que c'est déterminé par l'ordre d'après. Dans le développement de l'énergie, c'est l'ordre d'après qui devrait déterminer quelle est la manière optimale de se répartir sur l'ensemble des minimiseurs. Voilà, un truc classique. Mais on ne l'a jamais fait. On ne sait pas. Et on ne peut pas espérer... de convergence meilleure que ça Ah ben ça dépend des cas. Donc dans certaines situations, avec... alors qu'est-ce que tu veux dire par meilleur? La question c'est sur la vitesse. Je sais pas, t'imagines, t'as ton espace de fonction, t'as le sous-espace des fonctions... T'as le sous-ensemble des fonctions qui sont pure produit tensoriel. Oui. Essayer de mettre une topologie, une distance... Très bien, donc on a un théorème avec des hypothèses supplémentaires sur V et W, mais surtout le théorème simplifié, c'est le suivant, c'est que si ce problème non linéaire a un unique minimiseur qui est non dégénéré, c'est-à-dire que la dérivée, la SN est non dégénérée, d'accord, plus V et W un petit peu plus sympa, il faut que les carrés vérifient les hypothèses, c'est tout, alors en fait on peut aller à l'ordre d'après. Donc dans ce cas-là, il est unique parce qu'on l'a supposé. Dans ce cas-là, on peut aller à l'ordre d'après et décrire précisément le comportement de psi-n. Et je peux te dire tout de suite que le psi-n sera en fait une somme infinie de combinaisons de U0 tenseur K. Donc ça va être quelque chose comme ça. Je l'écris sans vraiment... Alors, on va plutôt écrire N-K. D'accord? Plus une erreur qui tend vers 0 dans L2, même dans H. D'accord? Donc, on peut décrire vraiment comment le psi-n va être proche des produits tensoriels. Voilà. Mais vous voyez, il n'y a aucune raison de penser que les n particules vont toutes être dans l'état U0 qui est le minimiseur, si on suppose qu'il est unique, parce que si on en met n-1 et une autre qui fait n'importe quoi, l'énergie va être la même. Parce qu'on regarde juste au premier ordre. Puis si on en met n-2 aussi. D'accord? Et donc en fait, dans le cas où tout est bien, c'est-à-dire unique minimiseur non dégénéré, on peut pousser à l'ordre d'après, construire des psi-k qui ne dépendent pas de n, hein, de sorte que le psi-n est une combinaison des U0 à la tenseur n-k fois le psi-k. Et le psi-k résout un problème explicite qui est relié au hamiltonien de Bogoliubov. Et en écrivant ce problème, on voit que les psi-k... Vous voyez, il y a le psi-0 qui est le U tenseur n, mais on peut voir que les psi-k, ils ne s'annulent pas. Quoi. Et donc c'est comme ça qu'on voit que le psi-n ne peut pas être juste un U tenseur n, c'est forcément une combinaison compliquée. Mais cependant, quelque chose d'aussi précis. Donc ça, c'est un résultat avec Nam, Sylvia Serfati et Yann-Philippe Solovay. Je ne sais pas bien si c'est 2013 ou 2014, parce que je ne sais pas très bien quand ça a été publié. Enfin... on peut obtenir quelque chose d'aussi précis uniquement en supposant que c'est unique, non dégénéré, avec beaucoup d'hypothèses. Ici, on ne peut pas vraiment dire plus avec juste dans ce cadre. Remarquez que comme on a convergence pour tout B borné, en fait, c'est vraiment une convergence d'opérateurs que je suis en train de vous énoncer, mais c'est juste que je n'avais pas envie de parler de convergence d'opérateurs à trace pour l'instant, allons-y tranquillement. Mais c'est vraiment une convergence dans l'espace à traces d'opérateurs. Alors je voudrais maintenant vous énoncer le théorème non confiné, qui en fait est notre contribution principale, puisque ce résultat n'est pas énoncé tel quel dans la littérature, mais dans les articles de Petz, Radio, Weber et Werner, qui utilisent des méthodes probabilistes, ils ont démontré quelque chose qui ressemble fortement, et en suivant leurs preuves, on arrive à démontrer ce théorème. D'accord ? Donc notre contribution principale, c'était vraiment le cas non confiné et la gestion de la perte de compacité. Et c'est ce que Nicolas Rougerie a longuement expliqué dans son cours et que je ne vais pas expliquer ici. Donc dans ce cas-là, on suppose que V+, s'écrit tend vers 0 à l'infini en sens faible, quoi. Et puis A carré aussi. Vous voyez que je décompose toujours les fonctions comme somme de 2. C'est juste que souvent en physique, une fonction n'est jamais vraiment... Enfin, les fonctions typiques ne sont pas forcément dans LP, parce qu'il faut toujours distinguer la singularité locale avec la décroissance à l'infini. Donc c'est plutôt que les fonctions sont typiquement dans des sommes de 2 LP. Mais peu importe. Donc dans le cas non confiné, c'est-à-dire si V+ et A tendent essentiellement vers 0 à l'infini, alors c'est le même résultat. Sauf... que M, ça ne peut pas être l'ensemble des minimiseurs, puisqu'il peut y avoir de la perte de compacité, perte de masse. M, c'est l'ensemble des limites faibles des suites minimisantes, les minimiseurs à perte de masse près. Hein, donc, c'est l'ensemble des limites faibles des suites minimisantes. Donc on peut caractériser de manière plus précise, hein, c'est celles qui sont minimiseurs de leur propre problème pour leur propre masse, mais qui sont telles que le problème initial peut être décomposé exactement comme le problème avec leur masse, c'est quelque chose qui est parti à l'infini. Bon. On fait un genre de concentration-compacité là-dedans, mais avec n particules et le nombre de particules qui tend vers l'infini, c'est ça qui est dur à gérer. Et donc, ce M, il est inclus dans la boule unité maintenant. Hein. Pas dans la sphère. Hein, avant, les U étaient... C'est normal. Et puis, la deuxième différence, du coup, c'est que la limite ne peut être que faible. Et donc, B doit maintenant être remplacé par un compact K. D'accord ? Donc, c'est pour tout opérateur K compact, même chose. D'accord? Donc le même théorème, sauf qu'on peut avoir de la perte de compacité et on doit faire une espèce d'étude de type concentration-compacité, mais en gérant le fait qu'on ne sait pas combien de particules on perd. Et bon. Donc il y a des méthodes spéciales pour faire ça, que je n'ai pas vraiment envie d'expliquer parce que c'est technique. D'accord ? Mais c'était quand même finalement notre contribution principale. Alors le théorème confiné, on pourra le démontrer probablement dans le troisième cours. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous donner l'idée du théorème 1. Parce que ça, c'est pas très difficile. On a, enfin, si A vaut 0, il y a une preuve assez simple qui n'utilise que essentiellement les injections de Sobolev et la transformée de Fourier. On peut faire ça en cours de M2. Donc je voudrais vous raconter ça dans les 20 minutes qui restent. Je voudrais vous expliquer la preuve du théorème 1 si A égale à 0. Et je ne connais pas de preuve simple si A n'est pas 0. Et ce dont on a vraiment besoin, c'est que l'opérateur qui apparaît ici préserve la positivité, c'est-à-dire que le noyau de la chaleur associée soit positif, une fonction positive. Je vais vous expliquer tout à l'heure à quel moment on l'utilise. Mais avec ça, du coup, on arrive à faire à avoir une preuve assez simple. Bien. Donc, faisons cette preuve. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, je vous rappelle que le théorème 1, c'est la convergence de l'énergie. Donc, il faut avoir une bande supérieure et une bande inférieure. Donc, évidemment, la première remarque, c'est de dire que la bande supérieure est triviale. On l'a déjà dit. Donc, il faut vraiment seulement travailler sur la bande inférieure. Alors, il y a une première étape qui est de montrer, c'est pas vraiment indispensable, mais ça donne une idée de ce qui se passe, que E de n sur n est une fonction croissante. Du coup, comme c'est une fonction croissante majorée, au moins on saura qu'elle converge, même si on ne connaît pas encore la valeur de la limite. Et en fait, cette preuve est assez utile pour comprendre ce qu'on va faire dans la suite. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup de variables partout, là. Je vais simplifier un peu les notations. Donc, Hn, je vais l'écrire la somme j égale 1 à n de Hj, si ça ne vous dérange pas, et plus 1 sur n-1, la somme j strictement plus petit que k inférieur égale à n de wjk. Et donc, Hj, c'est l'opérateur h qui vaut... Bon, je veux dire moins Laplacien plus V. En fait, la première partie de cette partie de la preuve ne dépend pas du tout du fait que A soit nul ou pas. Et agissant sur la variable xj. D'accord? Donc ça me fait un petit peu moins de choses à écrire. Et pareil pour wjk. Bien. Donc nous, on prend un... Donc on veut une bande inférieure, donc on prend... un psi, d'accord, quelconque, à la fin on prend un psi qui réalise quasiment l'infimum. Et donc je vous rappelle que comme le psi est symétrique, tous ces termes contribuent de la même manière. Et donc en fait le premier terme, on peut très bien l'écrire n fois psi h1 psi, par exemple. D'accord. Et le deuxième, vous voyez que comme il y a le 1 sur n-1, ça devient en fait n sur 2, et puis on peut choisir par exemple, je sais pas, W12 psi. D'accord ? Donc là, on a juste utilisé la symétrie. Alors du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie sur n, donc on n'a qu'à diviser par n. Voilà. Et bien. Bah, vous voyez maintenant, ce qu'on peut faire, c'est refaire la chose à l'envers. C'est-à-dire ici, on a psi h1 psi, on peut très bien l'écrire comme 1 sur n-1, la somme j égale 1 à n-1 de hj. D'accord? Et puis on peut faire la même chose ici, écrire 1 sur n-2, la somme... Donc juste par la même manipulation, c'est clair que c'est 1 sur n-1, psi et l'opérateur hn-1 qui agit seulement sur les variables 1 jusqu'à n-1, que je pourrais écrire à hn-1 tenseur 1, psi. Donc vous avez une fonction de n variables, mais un opérateur qui n'agit que sur les n-1 premières. Et en faisant ça, on a vraiment utilisé tout le temps la symétrie de psi. Vous voyez aussi que ça, on pourrait le faire avec n-k. Voilà. Mais comme cet opérateur, il est au sens des opérateurs supérieur ou égal au bas de son spectre, e de n-1, vous pouvez appliquer cette inégalité en fixant la variable xn. Et vous allez voir immédiatement, comme si normalisé, que ça, c'est supérieur ou égal à e de n-1 sur n-1. Et donc e de n sur n est croissante. Et tout ça, c'est vraiment la symétrie. Bien. Donc on sait que ça converge. Maintenant, il faut démontrer que la limite, c'est EH. Alors on va faire la preuve dans un cas plus simple, qui en fait est celui que vous trouvez partout dans la littérature, qui est le cas où la non-linéarité, le W ici, a une transformée de Fourier qui est positive. Ce cas est beaucoup plus simple, et d'ailleurs dans ce cas, si A vaut 0, on peut démontrer que EH a un unique minimiseur. Donc c'est vraiment le cas où c'est unique et où c'est plus facile, parce que ça, ça va être positif en passant en Fourier. D'accord ? Donc ça, c'est ce que le W chapeau positif, c'est vraiment défocalisant. La définition de défocalisant, c'est la transformée de Fourier qui est positive, pas la fonction. Bien. Et on va supposer que W chapeau est dans L1, ce qui nous garantit que la fonction W est continue et tend vers 0 à l'infini. Alors pourquoi ça c'est plus facile ? Bien, c'est plus facile à cause du lemme suivant, qui est vraiment juste une application de la transformée de Fourier, qui est que si vous regardez 1 sur n-1, et puis vous calculez justement, bon, peut-être j'écris avec des sommes, psi, bon je vais écrire une intégrale, la somme, enfin le terme compliqué qu'on doit étudier, c'est-à-dire l'interaction, d'accord, donc ça c'est le terme compliqué, en fait on peut le minorer par le terme non linéaire pour la fonction ρ . Je vais vous rappeler qui est ρ après. À une erreur près, il y a un n ici, pardon. À une erreur près qui est n sur 2n-1 w de 0. Et je vous rappelle que ρ, c'est la marginale de psi où on intègre toutes les variables sauf la première. D'accord, donc c'est la probabilité pour la position des particules, mais individuelle. Alors, avant de démontrer ce lemme, je vais vous dire comment on finit la preuve. Avec ça, c'est terminé, c'est facile. Donc la conséquence, le corollaire du lemme, c'est que quand vous regardez psi avec hn psi, eh bien vous allez voir que c'est supérieur ou égal à n fois l'énergie non linéaire de racine de ρ moins une erreur qui est d'ordre 1, qui est n sur 2n-1 w de 0. Alors pourquoi? Notre énergie du problème à n corps a trois termes. N'oubliez pas qu'on a pris A égale à 0, c'est important. Donc ce terme ici, c'est exactement le lemme. Donc ça nous fait apparaître n fois le terme non linéaire. D'accord? C'est ρ, donc c'est bien racine de ρ, voilà. Et cette erreur, très bien. Donc il reste à comprendre les deux autres termes ici. D'accord? Alors le terme avec V est très facile parce qu'il se calcule exactement. Donc la raison, c'est que si vous calculez psi, la somme j égale 1 à n de v de xj si, bah évidemment, c'est n fois la même chose avec v de x1. Et ça, vous voyez que c'est exactement l'intégrale de v fois ρ. Donc ce terme est facile, il s'écrit exactement en fonction de ρ déjà. Donc ce qu'il faut, c'est juste parler du terme avec le Laplacien. Peut-être je vais écrire des gradients, là. Donc on regarde la somme j égale 1n du gradient j de psi carré. Et ce que je prétends, c'est que ça, c'est supérieur ou égal à n fois l'intégrale du gradient de racine de rho. Alors ça, je ne vais pas faire la preuve, c'est juste en fait Cauchy-Schwartz. Vous écrivez qui est ρ, vous calculez le gradient de racine de ρ, ça fait juste gradient ρ sur de racine de ρ, et puis vous écrivez qui est ρ, vous écrivez Cauchy-Schwartz, ça donne ça directement. C'est vraiment très simple. Hein. Mais ce que je veux vraiment vous dire, le message, c'est que là, on utilise vraiment... de manière un petit peu cachée, le fait que le Laplacien préserve la positivité. Vous voyez que si vous prenez n égale 1, ce qu'on utilise vraiment, c'est que le gradient de u au carré majore le gradient du module de u. C'est vraiment ce qu'on fait. Si vous faites n égale à 1, dans ce cas-là, ρ, c'est module de u au carré, donc c'est exactement cette inégalité. Ce qui est faux si vous avez a. D'accord, bon, et ça, c'est équivalent enfin, au fait que le noyau de la chair est positif. Bon. Donc ici, on utilise vraiment une propriété spéciale. Bien. Et vous voyez que quand vous mettez bout à bout ces trois arguments, du coup, on minore l'énergie de notre problème par n fois l'énergie non linéaire de racine de rho, plus une erreur d'ordre 1, donc comme tout ça est d'ordre n, c'est terminé. On a même quelque chose de plus précis. On voit que racine de rho est une suite minimisante pour le problème non linéaire, et donc si on a la compacité des suites minimisantes, on saura que racine de rho converge vers les minimiseurs. Vers un minimiseur à ce suite près. D'accord ? Donc c'est vraiment le cas plus facile. Alors comment on démontre le lemme ? Bah, c'est rien du tout, c'est juste la transformée de Fourier. Donc la preuve du lemme, c'est l'observation que si vous calculez W de x moins y et que vous prenez une mesure P, dp de x, dp de y, vous pouvez l'exprimer en Fourier comme 2pi à la puissance d sur 2 et W chapeau de k, P chapeau de k au carré dk, qui a le bon goût d'être positif si W chapeau est une fonction positive. C'était notre hypothèse dans cette partie de la preuve. D'accord ? Et donc, pour en déduire quelque chose d'intéressant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend P égale à la somme de delta en des points xj moins une fonction état, et on calcule pour ça. Si on calcule pour ça, vous voyez qu'on trouve la chose suivante. Donc, quand on développe ce terme ici, on va trouver la somme sur j et k de 1 à n dw de xj moins xk, qui est le terme qui nous intéresse, moins 2, alors il faut calculer ce que ça donne avec état, mais vous allez trouver la somme j égale 1 à n de w convolé avec état en xj, je vous passe les détails, c'est évident, il faut juste développer, et ensuite plus l'intégrale double de état de x, état de y, w de x moins y, dx, dy. Et tout ça doit être positif. C'est ce que nous dit la positivité de la transformée de Fourier. Alors vous voyez que là, vous avez la somme sur tous les j et les k. Et donc ça, c'est en fait exactement la somme sur les paires, plus la somme sur les éléments où j est égal à k, qui va nous donner n fois w de 0. Et là, on a besoin que W de 0 soit bien défini, ce qui est le cas quand W chapeau est dans L1. D'accord ? Donc ça, si vous voulez, je peux l'écrire 2 fois la somme sur les paires plus n W de 0. Et donc vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'on a une estimée inférieure sur une fonction, ça s'appelle une fonction à deux corps, c'est-à-dire une fonction qui fait intervenir les paires de particules, en fonction de quelque chose qui fait intervenir les particules une par une. Alors, donc c'est ça qui est très important. Quand W chapeau est positif, on peut avoir une borne inférieure sur une expression qui fait intervenir les paires en fonction de quelque chose qui fait intervenir les particules individuellement. Donc ça, c'est une estimée presque partout. Maintenant, on intègre contre psi carré. Et si on intègre contre psi carré, on trouve que la somme W de xj moins xk fois psi au carré, du coup, est supérieure ou égale. Quand on met de l'autre côté, il faut tout diviser par 2. Ce terme ici va donner, comme tout à l'heure, n fois l'intégrale de w convolée avec eta fois rho. C'est le même argument que pour le v, c'est juste que v se trouve être w convolée avec eta. Et ensuite, vous aurez moins 1/2 de l'intégrale double de eta de x, eta de y, w de x moins y, dx dy. Et le terme d'erreur, qui est moins n sur 2, w de 0. D'accord? Donc l'idée, c'est on démarre de cette propriété, on l'applique pour des deltas, moins 1 eta, on voit ce que ça donne, on l'intègre contre psi, et tout à la fin, on optimise par rapport à eta. On choisit le meilleur eta, et le meilleur eta, c'est n fois rho. D'accord? Donc en prenant eta égale n fois rho, et ensuite, vous divisez par n-1, utilisez le fait que n sur n-1 est plus grand que 1, vous trouvez exactement le lemme qui est juste au-dessus. Vous voyez que cette partie, c'est vraiment juste la positivité de la transformée de Fourier. Et donc la preuve est vraiment plus simple. Donc la preuve du théorème est terminée lorsque W chapeau est une fonction positive. Et c'est vraiment le cas simple avec l'idée que en fait, c'est aussi le cas où on peut démontrer que le minimiseur est unique, enfin... C'est vraiment le bon cas, quand A est nul. Alors dans les 5 dernières minutes, il faut que je vous explique maintenant comment on fait dans le cas général. Mais si vous avez compris ce cas particulier, donc c'est la dernière partie, cas général. Donc si W chapeau n'a pas de signe, ça ne marche pas du tout. Cet argument ne marche pas du tout. Et la preuve que je vais vous proposer, c'est une preuve que j'ai trouvée en relisant l'article de Lieb et Yau, où ils font quelque chose de similaire, sauf qu'ils le font pour le potentiel de Newton, c'est un peu spécial, c'est compliqué. Mais en s'inspirant de leur méthode, on peut finalement donner une preuve qui n'est pas trop compliquée. C'est une preuve qui est basée sur une astuce qui ressemble beaucoup à l'astuce qu'on a utilisée là-haut pour comparer E de n à E de n-1. Et Lieb et Yau renvoie à Lévy-Leblond. Lévy-Leblond, c'est un physicien français qui aurait utilisé cette astuce en 1969. Et en lisant l'article de Lévy-Leblond, Lévy-Leblond renvoie à Dyson et Lénard qui auraient utilisé ça en 1966. Donc c'est une astuce bien connue, quoiqu'à chaque fois, ce n'est pas exactement la même astuce. Bien. Mais l'idée est toujours la même, c'est qu'on se débarrasse de certaines variables pour n'en garder que quelques-unes, en utilisant la symétrie. Alors le cas général, bien sûr, je vais toujours supposer que W chapeau est dans L1, même si je ne suppose plus rien sur le signe, ce qui n'est encore pas tout à fait le cas général, mais on peut toujours s'y ramener en approchant W par une fonction, W chapeau par une fonction qui est dans L1, et en utilisant les injections de Sobolev, etc. D'accord? Donc il y a une première étape qui est remplacer W chapeau par une fonction L1, et après, il faut vérifier qu'on ne fait pas trop d'erreurs, ce qui n'est pas trop difficile. Donc je vais écrire W égale F moins G, où F chapeau, c'est la partie positive de W chapeau, et G chapeau, c'est la partie négative de W chapeau. Et donc maintenant, je vous livre l'astuce. Donc l'astuce va consister à séparer nos particules en deux groupes. Et du coup, comme on va faire deux groupes, ça va être plus simple de regarder 2n particules. Donc on va regarder E de 2n. Comme ça, on a deux. Sinon, vous supposez que n est pair, c'est pareil. De toute façon, c'est croissant, c'est que la limite existe. Donc, si on démonte pour une sous-suite, c'est bon. Donc, on regarde deux n particules et on fait deux groupes. Donc, vous aurez les particules 1 jusqu'à n qui vont rester quantiques. C'est-à-dire au sens qu'on va conserver le Laplacien pour celle-là, et qui vont interagir avec la partie répulsive du W, mais pas la partie attractive. On l'enlève. Et ensuite, vous avez les autres, qui, elles, vont interagir avec la partie attractive, mais où on change le signe avec un plus qui, du coup, va devenir répulsive et va être plus simple. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une interaction entre les deux groupes avec la partie attractive. D'accord ? Je vais vous expliquer ce que veut dire ce que je suis en train de vous raconter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous regardez psi hn psi divisé par n, qui, je vous le rappelle, s'écrit psi h1, par exemple, psi, plus, et alors maintenant je vais le diviser en deux, donc vous avez 1/2, vous avez la partie avec le f et la partie avec le g. Donc la partie attractive et la partie répulsive. D'accord ? W, on l'écrit f moins g. Bien. Excusez-moi, j'ai deux n particules. Hein. Et maintenant, vous vous souvenez, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réécrit la même chose avec n-1, on va le faire avec n-2 ou... Donc, la partie en H, on va la réécrire en faisant intervenir les n premières seulement. Donc, cette partie, on va, donc je vais tout réécrire, donc ça va être le psi, et puis 1 sur n, la somme j égale 1 à n des hj, qui est vraiment juste le premier groupe, puisque j'ai deux n particules. La deuxième partie, on fait intervenir seulement les n premières, tout comme tout à l'heure, et donc ça va être 1 sur n-1, la somme des fjk, voilà. Faites bien attention, ici vous avez n-1 sur deux termes, et donc le n-1 s'en va. Le n que j'ai oublié, et le 2 qui est là. Bon. Voilà. Et maintenant, il faut traiter ce terme ici. Et donc on fait l'astuce suivante, d'accord ? On va écrire moins 1/2 comme 1/2 moins 1. Ce moins 1/2, on l'écrit 1/2 moins 1. Et le 1/2, donc du coup on a changé le signe de G, on le met totalement sur toutes les particules ici. Donc c'est-à-dire on écrit plus 1 sur n, n-1, la somme des G, peut-être j'écris Lm pour insister, et cette fois L et M sont entre n plus 1 et 2n. Je peux choisir les variables que je veux, parce que de toute façon c'est symétrique. Quand je fais ça, j'ai un plus 1/2. Donc il faut que je le compense avec un moins 1. Et le moins 1 va juste être faire intervenir une interaction entre les deux systèmes, c'est-à-dire j égale 1 à n et l égale n plus 1 à 2n de g, j, l. D'accord ? Donc j'espère que c'est clair. L'idée est simple. Maintenant, quand on écrit les sommes, c'est pas... ça fait beaucoup de sommes, mais l'idée est simple. On transforme la partie attractive en une interaction attractive avec un système qui est répulsif. Et donc là, vous voyez que cet Hamiltonien qui apparaît ici dans la parenthèse, en fait, c'est un opérateur différentiel seulement dans les n premières variables. Dans les autres variables, bah, ça n'apparaît seulement que dans les fonctions g ici. Et donc, ce que vous trouvez, je vais m'arrêter là, après c'est pas difficile. Ce que vous trouvez, c'est que le E de 2n sur 2n, en optimisant par rapport à psi, est supérieur ou égal à l'infimum sur tous les xn plus 1, x 2n. Vous optimisez ces variables classiques. Maintenant, il n'y a plus de Laplacien pour cela, du spectre de l'opérateur qui est là-bas et qui agit seulement sur L2 symétrique de RD puissance N. D'accord ? C'est la même astuce que pour les n-1 particules là-bas. Maintenant, vous regardez les n premières seulement et vous minimisez juste par la plus petite valeur possible quand vous optimisez les n autres variables. Et donc la dernière étape, c'est d'étudier ce problème ici, où maintenant on a n particules au lieu de 2n. Mais en fait, si vous regardez bien, maintenant, on peut appliquer... Pardon ? C'est même égal pour une égalité. Non, non, c'est supérieur ou égal, non, parce que notre psi, il est spécial, hein, donc c'est vraiment une borne inférieure qu'on a. On prend un psi qui va optimiser le problème à 2n particules, et le psi dépend de tous les x. Il est symétrique en tout le monde. Oui. Et là, on oublie un peu la symétrie, enfin on l'utilise, mais après on oublie la symétrie quand on échange les variables des deux groupes. Mais maintenant, ce que je veux juste que vous compreniez, c'est que une fois qu'on est arrivé là, l'argument est le même qu'avant. C'est-à-dire que ce terme va être... Donc le terme en V sera exactement en fonction du ρ, du psi qu'on va utiliser pour tester, qui dépend seulement que de n variables. Le laplacien, ce sera Cauchy-Schwarz. Ce terme, on l'a déjà traité, parce que maintenant, il y a un plus. Et ensuite, il faut juste comprendre ces deux termes ici. Vous avez une partie répulsive et une partie attractive, mais la partie attractive va faire intervenir ρ. Et en utilisant la preuve du lemme, vous allez facilement estimer ce terme par moins, c'est-à-dire en utilisant le état, en prenant état égale ρ, encore une fois, vous allez exactement trouver. Donc vous regardez ce problème ici, là, vous prenez un psi tilde, vous regardez le hamiltonien que j'ai écrit là-bas au tableau, là vous allez facilement trouver que ça va être EH de racine du ρ de ce psi tilde, moins n sur 2n-1, et puis vous aurez f de 0 qui apparaît et g de 0, en utilisant le lemme. Le hamiltonien ici, j'ai déjà divisé par n partout. Hein, c'était pas... D'accord. Et donc à la fin, en disant que ça c'est supérieur ou égal à EH, ça vous finit la preuve. D'accord. Donc une astuce qui consiste à grouper les particules en deux groupes disjoints et à réécrire l'attraction comme une interaction attractive avec un système répulsif. D'accord. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que cette astuce ici ne permet pas du tout de démontrer que le racine de ρ psi est une suite minimisante pour le problème initial, juste parce que le psi tilde n'a rien à voir avec le psi. Le psi tilde, c'est un psi qui réalise à peu près ce problème ici, qui dépend que de n variables. Et donc en fait, on n'a aucune information sur les suites minimisantes, sur les minimiseurs avec cette preuve. Et donc la preuve des théorèmes 2 et 3 est en fait complètement différente. Je m'arrête là. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure. Et on parlera de mesures de Gibbs non linéaires cette fois. Merci.